Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. Echo. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant 3 jours, Amicia. Tu es passée à 2 doigts de la mort. Echo. Laissez-moi. Allez, arrête de rêver. Va voir les autres. Les rats vont bientôt sortir. Il faut allumer les feux. Non ! Mais c'est pas vrai ! Allez ! Non ! Allez, ouvre-toi, je t'en prie ! Comment elle peut être bloquée? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la rouille. Je crois que Roderick travaille dans la cour. La serrure est encore gelée? Oui. L'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Mélie pour le... Le coffre? D'accord. Oh, Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Toi aussi, tu te sens seule, hein. Allez, courage. Un jour de plus. Ah ! Qu'est-ce que tu fais là, toi, en plein hiver ? C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Ces objets, je me souviens de chaque endroit, chaque moment. La soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez le poivre. Pas mal. Pas mal du tout.
On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Lucas a encore passé la nuit ici. Ça doit lui rappeler l'époque où il vivait chez Laurentius. Il faut que Lucas arrête de récupérer des livres. On va finir par en avoir partout. La tête de Lucas quand il avait cru arriver aux grandes œuvres. Et Hugo. Bravo Lucas, t'es un sorcier! Excusez-moi, si vous savez où est Hugo, dites-le-moi par pitié, ou veillez sur lui, si vous le pouvez. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais? Et si... Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal? Oh. Salut, Amicia. Salut. Ça va, vous deux? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes! Je veux nous garder en vie, c'est tout! Comme on a toujours fait! Et... La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Ta. Bon, quand tu veux, Amicia.
Allez, mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, ici. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. C'est pas vrai. Je te demande juste de pivoter. Alors, ça va? Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, je connais pas beaucoup ton frère, mais... Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick? Ouais, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher? Va marcher, je te dis! Hé, tu calmes! Oh. Si tu casses tout... Oh. Ben voilà, ça marche! Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode Roderick. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer! Tout de suite! Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Alors, tu as fait des prouesses? Ouais, tu m'en diras des nouvelles. Je vais me laver, je vous laisse. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Amicia, faut qu'on en finisse avec les brasiers. Oui, oui, j'ai pas oublié. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Voilà, c'est bon pour moi. Un problème ? C'est jamais arrivé avant. Merde! Merde! Il n'y en a jamais eu autant. L'échelle de l'enceinte rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier! Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté! Brasier en place! Ramène-toi!
quoi ce bruit? Ils se regroupent. Ils vont éteindre les feux. Merde! J'ai plus d'inifer, Amicia. Je vais pas pouvoir t'aider. Je vais me débrouiller. Pas la première fois. Atteindre l'échelle de l'enceinte rouge, ou je vais mourir ici. Amicia, je t'approche un brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord, je compte sur toi. L'autre. Vite, s'il te plaît. Amicia, d'autres en bas de rats. Je te lâche pas, tu vas sortir de là. C'est ici. J'arrive. Oh.
t'en sors? Ouais. Je préfère être ici que... en bas. C'est quoi ce bordel, Amicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais comme ça. Qu'est-ce qu'il leur prend? J'en sais rien, moi. On aurait dit... une sorte d'attaque. Tu te fous de moi? C'est des rongeurs, pas l'armée anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. J'ai vu ça qu'une fois. Merde! Chez moi. Bien qu'on aurait dû se tirer. À la maison. Amicia, je crois que c'est besoin de toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Tu peux pas aller plus vite. Amicia, c'est plus des enfants. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Ça va? Non. C'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais le château est fait pour résister à... Lucas, il y en a jamais eu autant. Tu vois bien que c'est pas quoi, une simple invasion. Par ici! Vite! Et fais ce que tu dois faire. Hugo. Viens. Hugo. C'était lui. Qu'est-ce que tu fous avec cette porte? Amicia. Qu'est-ce que tu fais? Les rats. Il est contrôle, oui. Voilà. Avec la macula. Par où on va sortir? Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Les rats passent ses dépenses comme dans du beurre. Attends, je dois parler à Hugo. Je peux... Paul, il doit tirer. Il a raison, Amicia. Allez, passez. Non. Et peut-être que Vitalis te gardera à ses côtés. Hugo, non! Allez, gamin! Elle n'est plus rien pour toi. Je t'ai cherché partout! Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané seuil! Ne l'écoute pas, Hugo! Assez! Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure! Ordure? Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi. Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi? Non! Hugo est le seul porteur! Était! Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Arthur, maintenant!
On l'a eu, ce sale chien. Amicia. Arthur, va t'assurer qu'il est bien mort. Moi, je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Hugo ! Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien te faire, Hugo. Regarde ! D'accord, d'accord. Je bouge pas. Viens, toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. Vous êtes jeune, je vous tuerai vite. Ce n'est pas un luxe que j'accorde facilement. Votre père ne s'est pas caché, lui. Il est mort en me regardant dans les yeux. J'ai tout mon temps. Le froid finira par vous engourdir.
bougez pas. Ne bougez pas. De ce que tu dis. Je me rends compte qu'on crève, les uns après les autres. Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre. Il reste plus rien. Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie. On est cinq contre... contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Il a passé le seuil? Oui, je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup de choses. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre? Nous? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.